Wow, je vous la fais comme c'est arrivé ce matin. Je me réveille à l'instant, j'ouvre mon téléphone, c'était sur TikTok, sur un live, et là ça gueule comme ça. Oh la vache! Ce qui s'est passé est vraiment dingue. Je viens de découvrir un truc de ouf. Ça fait une heure du coup que j'ai geeké le sujet. Je file tout de suite au bureau vous faire une vidéo et je vais vous la sortir dans la journée. Parce que là, c'est trop. Je suis vraiment choqué. Alors non, elle n'a pas accouché. Non, elle n'a pas appris que le Covid s'était enfin terminé. Et non, elle n'a pas gagné au loto. Enfin, si, si, si. Tu sais, elle a un peu gagné au loto, en fait. Vous allez voir pourquoi. Mais cette réaction est démesurée à la fois maîtrisée. Je vais vous remettre dans le contexte de ce qui s'est passé ce matin. Je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus comme ça, parce que tout s'est passé en un quart d'heure. Et faut savoir que cette personne-là live depuis hier soir. C'est-à-dire que je poste cette vidéo un lundi. La veille, le dimanche à 22h, elle commence un live. Elle fait un live durant toute la nuit. Je le vois à 22h ce live et en fait je dois m'endormir devant. Le matin je me réveille, je déverrouille mon téléphone et j'entends ça braille dans mon oreille. J'ai mais c'est quoi ce délire? Et j'ai un bon réflexe de créateur de contenu, c'est que j'enregistre l'écran et je me dis on va voir ce qui se passe. Et j'étais comme ça d'un œil et je regardais ce qui se passait. Je vois qu'elle pète un câble parce qu'elle a reçu ça, une planète. Et vous allez comprendre ce que c'est. Parce que j'ai enfin compris tous les rouages d'un live TikTok et franchement, ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Je vais prendre mon téléphone en même temps, 15 000 pièces, on va voir. Ça coûte combien par exemple? Qu'est-ce qu'elle a reçu direct pour qu'elle crie comme ça dans mes oreilles dès le matin? Et j'espère que vous appréciez le fait que je vous transmette ça en une seconde, je l'ai appris à une demi-heure. Je vous le partage direct sur YouTube parce que c'est avec vous qu'il faut que je le raconte. Je vais pas parler de ça avec mon père ou ma mère. Mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, regardez. 15 000 la planète, hein, on est d'accord? 15 000. Je vais faire recharger. Paquet cadeau de bienvenue. Apparemment, on peut en acheter que jusqu'à 16 500. Et là, quand j'ai vu le prix, 16 500 égale 249 euros. 249 euros, donc ça veut dire que pour la planète, il a lâché 220 balles à peu près, un truc comme ça. 220 euros qu'il lui a donné. Attention, pour le savoir d'emblée, TikTok prend, je crois, 60%. Il y en a qui disent 70, il y en a qui disent 60. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus vu de gens qui disaient qu'ils prenaient 60%. Bon bref, ils prennent une grosse moitié de ce que vous avez. Mais bon, quand même, en live, elle se prend, admettons, 220 euros grâce à cette planète, divisée par 2 plus, on va dire, elle se prend 100 euros, peut-être 90 euros. Donc oui, ça la met dans tous ses états. Parce qu'en plus, elle a fait remonter dans le classement, regardez-moi ça. Classement hebdomadaire ici, tac, on va cliquer dessus. Il y a un classement ici. Et quand vous êtes haut dans le classement, vous avez plein de gens en live. Parce que tout le monde voit que vous êtes dans le top. Et donc, on peut voir qu'elle passe de quelques dizaines de personnes ou quelques centaines. Enfin, moi, quand je suis arrivé, il y a déjà quelques centaines. Et après, ça va grimper à quelques milliers. Donc, juste prenons le temps de comprendre. Tu prends des abonnés quand tu prends un cadeau comme ça parce que tu montes dans le classement. Du coup, des gens viennent sur ton live et tes abonnés montent. Et deuxièmement, tu gagnes de l'argent en direct qu'on te donne. Comme ça. Le mec donne 100 balles. Tiens, prends 100 balles. À toi. Quand le cadeau tombe, sa réaction est... Et dingue, c'est-à-dire elle crie partout, on a l'impression qu'elle va en crever quoi, enfin c'est trop. Ensuite elle commence à parler, elle se recalme un petit peu, elle dit moi ce qui me ferait le plus kiffer un jour c'est d'avoir le lion. Vous voyez un peu le truc quoi, enfin comme un peu un enfant. Si si, vous savez exactement où je veux en venir. Bref, elle dit moi j'aimerais avoir le lion. Le lion vaut 30 000 il me semble, donc deux fois plus. Elle toucherait pas 100 balles, elle toucherait 200 balles. Je dirais 3 minutes après. C'est mon compte principal, ils vont péter le stop. Et là, je suis la plus heureuse au monde. Vraiment, les gars, je vous aime, je suis reconnaissante. Fois. Ce qui est dingue pour l'audience. Donc pour moi, là, qui est dans mon lit comme ça, en train de regarder ça et qui est en train d'ouvrir ses yeux pour comprendre ce qui se passe, c'est que je sais avant qu'elle va recevoir le lion. Vous avez vu? On voit l'image du lion apparaître, mais elle ne sait pas encore qu'elle va l'avoir, ce lion. Il y a un petit décalage. Et ça, c'est génial. En tant que viewer, t'es là, tu fais « Oh putain, elle va péter un câble, elle va péter un câble. » Elle l'a pas vu encore.
Et là, elle le voit, elle pète un câble. Donc à ce moment-là, elle a gagné déjà 300 euros, un truc comme ça. Et son live a explosé. Elle est montée dans les tops tellement haut qu'il y a tellement de gens qui viennent sur son live. Je crois qu'à ce moment-là, sur le live, on est 1000 ou 2000, quelque chose comme ça. Ce qui est improbable, d'habitude, on est 40, 100 ou 150 sur son live. Son compte TikTok n'est pas populaire. Il a 2000 abonnés pour avoir ce nombre de personnes en live. Donc 2000, elle est en train de monter à 2500, 3000, 3500 abonnés. Je regarde de temps en temps et je le vois monter. Donc les gens s'abonnent en masse. Ensuite, si on regarde le petit catalogue des figurines, là, vous avez au-dessus du lion, c'est le TikTok Univers, qui a 34 900 et 35 000 pièces. Et ça, elle l'a jamais eu. Et là, vous me voyez venir. Et là, vous savez ce qui s'est passé. Mais là, les gars, je crois choqué. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais être choqué. Je vais m'en rappeler toute ma vie, les gars. On est monté avec un compte à 3000, mais je suis choquée. Pour ceux qui viennent d'arriver, elle a eu 3 lions, un TikTok. Elle a dû se prendre 150 euros peut-être en plus, quelque chose comme ça. Pour elle, hein, je parle, hein, parce que pour payer le TikTok Univers, ça coûte à la personne qui le donne 500 euros, je pense. 400, 500 euros de ce qu'on a vu. Et elle, elle va toucher, voilà, 150, 200 peut-être, quelque chose comme ça. Là, son live est en train d'exploser. De plus en plus de gens s'abonnent, de plus en plus de gens arrivent. Et vous vous rendez compte? Et elle le dit, elle est juste étudiante, elle gagne pas d'argent plus que ça. Là, elle est en vacances et elle se prend quasiment 1000 balles. Comme ça, elle monte son compte d'un coup, elle se prend une visibilité d'un coup. C'est-à-dire que la moyenne de ses lives plus tard va pas rester à 40 ou à 100. Maintenant, on va être à 200, 300, 500, 600. Donc, encore plus de gens qui vont pouvoir lui donner des sous pour pouvoir faire vivre son contenu. Ce qui est un peu fou, c'est que il y a énormément de gens qui donnent de l'argent pour juste voir ses réactions. Et elle, forcément qu'elle en joue. Oui, elle est peut-être hyper émotive ou j'en sais rien. Mais elle voit qu'en faisant des réactions de dingue, elle touche des sous, elle touche des gens qui sont prêts à payer. Donc forcément, quand elle va recevoir un autre cadeau, elle va réaccentuer. Elle va pas dire « Oh putain, ouais, bien, là, j'ai plus de souffle, je vais pas pouvoir réagir, mais super. » Non, parce que là, du coup, bah, y a plus personne qui va payer quelque chose. Donc c'est un peu bizarre, un peu malsain comme business. Et je vais vous donner ma conclusion à la fin, parce que c'est pas fini. Vous avez vu qu'elle s'est pris une planète, 15 000 pièces. Ensuite, elle s'est pris un lion, 30 000. Et ensuite, elle s'est pris le plus gros, le TikTok Univers, à 35 000. Bon, c'était bien. Maintenant, le mec qui a fait ça, parce que oui, effectivement, c'est un seul mec qui va donner tout ça, a repris 1, 2, 3 lions. A repris 1, 2, 3 TikTok Univers. Il s'est pas arrêté, le mec. Ce qu'il a fait passer sur le classement du top 100 de, je sais pas, 80e ou je sais pas combien elle était, 60e peut-être, à 7e à la fin, je crois, 7 ou 8e. Donc dans le top 10, il y a les plus gros influenceurs là-dedans. T'as des gens qui font 2, 3 000, 5 000, 10 000 personnes en live en simultané. Elle, c'était une petite créatrice qui a 1000 ou 2000 abonnés. Grâce à un gars qui a tout lâché. Et qui a dû lui donner, du coup, au bout du compte, peut-être 2, 3, 4 000. J'ai pas pu faire les comptes tellement ça s'arrêtait jamais. Je suis parti à la fin. Je sais pas si vous imaginez le délire. C'est tellement bénéfique sur tous les points de vue pour le créateur. De l'argent direct qui tombe. Cette communauté qui est énorme qui monte. Et si vous renvoyez ça bien sur les autres réseaux, sur YouTube et sur Instagram, vous pouvez tout transférer. Elle l'a dit en plus dans un live hier avant-hier. J'ai pas pu l'enregistrer, je n'enregistrais pas. Mais elle disait qu'elle était fan de YouTube, qu'elle trouvait que YouTube c'était dur et que si un jour elle perçait sur TikTok, elle irait sur YouTube. Parce que YouTube, c'est toujours ce qu'elle a voulu faire. Mais là, elle peut le faire. Elle est en train de se prendre des doses d'audience d'un coup comme ça. Mais elle va pouvoir transférer tout sur YouTube et avancer et se refaire des... Enfin, elle est en train de construire un vrai empire, un vrai bon écosystème si elle ne... lâche pas. Alors oui, son contenu, on en est fan, on n'en est pas fan, elle fait que brailler et tout, c'est une horreur. Enfin, j'irai pas regarder ses vidéos, je sais pas ce qu'elle va proposer après. Mais on s'en fiche, elle est en train de créer une audience, il y a des gens qui aiment, point barre. Elle a réussi à faire ça. TikTok est un outil bien plus complet que ce que je pensais. Et j'y regarde des lives, mais j'arrivais pas à comprendre les lives parce que je trouve ça un peu enfantin, cette histoire de jetons, cette histoire de figurines. Et en fait, c'est une manière déguisée de montrer qu'il y a de l'argent qui passe. C'est trop brut de dire « Waouh, merci pour ton don de 300 balles » comme c'est sur YouTube par exemple. « Merci pour ton don de 400 balles » Non, il place ça sous un lion, sous une planète, sous des trucs comme ça. Ça passe beaucoup mieux parce que c'est un réseau aussi qui à la base était destiné pour les jeunes. Sauf que détrompez-vous et vous le savez maintenant, il y a tout le monde dessus.
Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs, tout le monde est dessus. D'ailleurs, vous voyez bien, pendant ce live, elle est en live avec un autre mec qui ne doit rien comprendre et qui hallucine, qui est bien plus âgé qu'elle, je sais pas quel âge il a, mais enfin voilà, c'est pas une communauté que pour les jeunes. Si vous fouinez, si vous vous mettez vraiment sur les réseaux, c'est pas si dur que ça. C'est compliqué de percer, c'est compliqué de tenir et d'être rigoureux sur la création de contenu parce que ça prend du temps, on voit pas tout de suite les résultats. Mais il y a tellement de possibilités, rien que les vidéos TikTok en elles-mêmes, quand vous en publiez, ça buzz vite. Je vous ai montré ça à travers mon compte, qui a plus de 90 000 abonnés, je vous ai montré ça à travers mon compte Wasurf, qui a plus de 100 000 abonnés, et je vous ai même recréé un autre compte qui s'appelle Michou, qui est monté à plus de 80 000 abonnés aussi. Tout ça en y passant très peu de temps. Les lives, je vous montre encore aujourd'hui qu'une personne, et j'ai eu énormément de chance de tomber pile à ce moment-là, j'ai pu enregistrer mon écran, mais cette personne-là a changé une partie de sa life. Mon titre n'est pas tant putaclic que ça, parce que quand vous prenez 3, 4 000 balles ou 2 000 balles, je ne sais pas combien elle a touché précisément, mais c'est dans ces eaux-là. Pour une jeune étudiante, je pense que c'est peut-être la plus grosse somme qu'elle ait touchée de sa vie, plus une audience énorme comme ça, c'est peut-être le game changer, c'est peut-être ce moment-là où tout va basculer pour elle, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est un événement marquant dans sa vie. Tout ça juste parce qu'elle a ouvert sa caméra, elle a partagé sa life, elle a documenté, elle a voulu... Voilà, parler pendant que d'autres gens l'écoutaient. Elle a été naturelle, elle a poussé des cris, elle a fait des réactions. Et un mec s'est dit, je vais payer pour voir ses réactions. Et on va parler de ce côté-là juste pour finir. Pourquoi des mecs payent pour voir des réactions? Pourquoi des mecs, ou des meufs, hein, peu importe, pourquoi des gens dépensent des sous en dons pour leurs créateurs, etc. Alors, on peut comprendre que c'est pour soutenir. Des fois, tu donnes 1 euro, 10 euros, 20 euros pour des dons, pour soutenir le créateur. S'il vend rien et qu'on peut pas le soutenir à travers un achat de vêtements, de formation, de je sais pas, de quelque chose qu'il propose, eh ben on peut éventuellement lui faire des dons. Mais à hauteur de ce qu'a fait le mec en forçant, en mettant de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, c'est presque un peu abusif. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont pas comprendre, vont se dire mais c'est démesuré, ça sert à quoi? Et moi je pense que sûrement cette personne-là a des sous, hein, sinon elle est sûrement bête, tu peux pas mettre autant d'argent comme ça si t'as pas de sous. Mais peut-être ça lui fait extrêmement plaisir, peut-être que cette personne-là filme aussi une vidéo YouTube et met de l'argent pour voir la réaction de la personne, filme et va repartager ça. Peut-être que cette personne a des sous et son budget plaisir aussi, au lieu de le mettre dans des vêtements, dans des restaurants, dans des je sais pas quoi, eh ben, elle aime bien le donner à des créateurs, et elle le voit peut-être pas comme un don, mais elle le voit comme une partie de plaisir. Celui qui donne va tisser après des liens avec la personne, ils vont sûrement parler en message privé après, et lui va kiffer son moment en live, donc s'il est pas à 1000 euros près ou autre, bah, c'est sa manière à lui de se faire plaisir. Donc je pense qu'il y a de tout, et vous touchez tellement tout le monde en ligne. Vous touchez des milliers de personnes qui sont là, elle était 40 sur le live, après ils étaient 1000 ou 2000. Donc forcément vous attirez des gens de partout, des gens qui n'ont pas une thune qui viennent juste regarder comme ça, des gens qui ont plein de thunes mais qui veulent juste regarder et qui dépenseront pas, et des gens qui ont plein de thunes et qui veulent s'amuser. Il y a forcément de tous les profils. Et donc là-dedans vous pouvez vous y retrouver aussi. Waouh. En tout cas, waouh, parce que cette matinée, cette semaine a démarré fort avec ça, j'avais pas du tout prévu de vous faire cette vidéo, mais quand je vois ça, moi je peux pas garder cette vidéo et me dire tiens je la remettrai dans 2-3 mois alors que je viens de le voir à l'instant, donc vous en faites ce que vous voulez, vous vous y mettez, vous y mettez pas, vous allez regarder de plus près ou pas, mais vous le savez maintenant, c'est dans votre tête, et si vous avez du mal à créer une communauté, si vous avez du mal à toucher des sous en ligne, si vous êtes mineur ou j'en sais rien, il y a quand même des moyens de faire quelque chose de bien, et c'est une stratégie de plus à mettre dans votre sac à dos. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà démarré un live TikTok? J'aimerais le savoir, avant cette vidéo YouTube, parce que peut-être que ça va en motiver certains, mais est-ce qu'avant, vous aviez déjà démarré un live TikTok? Dites-moi ça dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et liker si vous avez kiffé et si vous voulez que je vous refasse ce genre de contenu, que je fouine pour vous et je vous trouve des pépites. Et vous connaissez la chanson, le premier lien dans la description, c'est pour les coachings, ceux qui veulent un accompagnement personnalisé avec moi, pour leur entreprise en ligne, qu'on aille jusqu'au bout pour développer leur business sur Internet. Mais c'est avec grand plaisir. Et c'est surtout là où je me donne à fond. Et vous avez le truc qui est déjà tourné, juste en dessous, Système 49, qui est la formation. Tout ça est aussi finançable avec le CPF si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Et bonne Saint-Valentin.